Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul de la boutique ephemeria.com. Je vous encourage très vivement à aller jeter un petit coup d'œil sur la boutique parce que vous allez voir que dans ce colis, il y a des affaires à ne pas manquer. Donc c'était les Black Friday et je pense que ça l'est toujours. J'ai vérifié encore tout à l'heure. A priori, c'est toujours en cours. Je ne sais pas jusqu'à quand exactement. Je vais essayer de passer un petit coup de téléphone du coup à Ephemeria, enfin à la boutique, juste après cette vidéo, parce que vraiment, je veux les remercier. Ils ont été top, que ce soit au niveau des promotions, forcément, donc des prix, mais pas que, puisqu'ils ont été hyper réactifs. J'ai fait ma commande samedi soir, je crois, de mémoire, et je l'ai reçu lundi dans la journée, puisque du coup je l'ai récupéré ce soir. Voilà, donc vraiment je les remercie du fond du cœur. Je fais un petit coucou du coup à Lynn, qui est du coup je pense la personne qui a préparé ma commande. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Alors j'ai déjà ouvert le colis tout simplement pour vous faire pour reporter les prix sur ma facture, puisque du coup la facture ne mentionne pas les prix. Et que je voulais vous montrer en fait que vraiment le tarif défie toute concurrence. Je mets n'importe qui au défi de concurrencer les prix qui ont été appliqués sur ce que je vais vous montrer, en sachant que c'est de sublimes marques de scrap, des grosses enseignes comme Sokai, mes petits ciseaux, les ateliers de Karine, Béatrice Garny, enfin voilà, moi tous mes petits chouchous. La seule chose qui m'a manqué, c'était comptoir du scrap, mais bon, on peut pas toujours tout avoir, voilà. Donc, on ouvre tout ça ensemble. Alors, juste avant de commencer le haul, je voulais tout simplement prendre le temps de vous remercier, mais hyper chaleureusement, parce que vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à ma chaîne, qui a dépassé du coup les 6000 abonnés. On doit être à 6100, je crois, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, un grand merci à vous tous et toutes de me suivre également sur Instagram, parce que je crois qu'on doit être pas loin des 500 abonnés sur Instagram. Bon, je peine un peu plus, hein, j'ai l'impression que vous aimez pas trop Instagram. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur et sachez que je suis en coulisses en train de m'actionner pour vous faire plein de petits cadeaux, de petits et de gros cadeaux d'ailleurs. Donc je vous en parlerai très prochainement, ne ratez pas du coup les prochaines vidéos. Et puis pour pas les rater, pour être sûr, il vaut mieux être abonné et surtout activer la petite cloche pour les notifications. Allez, c'est parti pour le haul. Donc je commence par les petits cadeaux du coup d'Ephemeria. Donc ils m'ont glissé une planche d'étiquette autocollante qui est sublime. Alors le papier est quand même relativement épais, ça a l'air d'être de très bonne qualité et la couleur elle est, comment vous dire, trop jolie. C'est-à-dire que c'est une espèce de doré pâle cuivré un peu, il est vraiment très très beau le papier. Voilà, donc c'est eux qui fabriquent directement leurs planches de tampons autocollantes et c'est du Made in France, donc voilà, cocorico, on adore. Et j'ai eu le droit à un petit cadeau supplémentaire, je pense, au vu du montant de ma commande, où elles m'ont glissé, du coup, les deux petits alphabets Ephemeria. Donc, c'est des tout petits carrés autocollants. Je sais pas si vous verrez. Là, on les voit bien quand je les plie. Donc, du coup, c'est cool parce que je vais pouvoir m'en servir. Alors, c'est pas quelque chose que j'utilise facilement, les autocollants alphabets. J'en ai même pas, je crois pas, en avoir à la maison. Donc écoutez, ça va être une première, je verrai si j'arrive à bien m'en servir, ce sera peut-être l'objet de futurs achats. Donc là aussi, hein, c'est du Made in France, donc on adore. Merci beaucoup, Ephemeria. Alors, c'est parti pour le haul. On va commencer déjà par cette planche d'étiquette de la marque Sokai, c'est la collection So Baby. Donc moi j'ai déjà la collection de papier, je vous avoue que j'ai pas fait attention de savoir si elle était disponible du coup sur le site internet. En tout cas, moi, la planche de tampon, je l'ai payée 1€. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner les prix à chaque fois, enfin, le pourcentage, en fait, qui a été appliqué sur les prix. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir sur le site internet. En tout cas, sachez que ça allait de moins 10 ou moins 20% à moins 80%. Et que moi, j'ai sélectionné beaucoup de choses qui étaient à moins 70, moins 60 et moins 50%. Donc là, 1€ la planche d'étiquette Sokai. Ensuite, je me suis lancée dans les collections de papier à l'unité. Il me manque en fait, je m'en suis rendu compte un peu tardivement, c'est quand j'ai ouvert le colis que je me suis rendu compte qu'il me manquait en fait une page à chaque fois dans la collection. Mais comme j'ai acheté plusieurs fois les mêmes pages, du coup,
Bah, au final, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il me manque juste une des pages. Alors, je crois que sur cette collection-là, qui est la collection au jardin de mes petits ciseaux, il doit me manquer la page numéro 3, que j'arriverai peut-être à trouver sur une autre boutique. Donc, ce n'est pas gênant. Voilà, en sachant que au niveau du tarif pièce, la collection au jardin, elle m'est revenue à 30 centimes pièce. Voilà, donc vous faites le compte. On continue dans la collection au jardin puisque j'ai choisi aussi les die cuts. Alors je vais peut-être pas vous les ouvrir, mais vous voyez du coup à l'arrière ce que ça représente. Donc ils sont plutôt petits, je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu plus grands, mais pourquoi pas, il y a des jolies planches, enfin il y a des jolies étiquettes, je trouve ça très très joli. Donc le sachet de die cut, il m'est revenu à 1,19€, ça ne valait pas le coup de s'en priver. Ensuite on va passer à Béatrice Garny. Donc moi j'ai fait la commande tout simplement parce que j'adorais cette page, qui est donc la page numéro 1 de la collection Beautiful Summer, que j'adore, je trouve trop trop beau. Donc j'ai pris deux fois la même, hein, comme tout à l'heure, puisque là j'ai payé 40 centimes pièce. Donc je vous montre. Voilà, donc j'ai aussi passé des commandes de collection complète de papier. Donc celle-ci c'est la Sokai de la Sow Garden, pardon, de chez Sokai. Donc je vais vous l'ouvrir. Vous avez déjà deux planches d'étiquettes, voilà, recto verso. Moi, en sachant que j'ai complété en plus avec l'achat deux petites planches comme ceci. Donc j'ai celle-ci et j'ai pris également celle-ci, voilà. Et je ne me suis pas privée parce que du coup, la collection de papier, bah, je l'ai achetée 2,04€, pardon. Et les planches d'étiquette, je crois que ça devait être 60 centimes et 30 centimes. Je ne me souviens plus des prix exacts, mais voilà, ça faisait vraiment pas grand-chose. Donc, ça valait pas le coup de s'en priver. Donc, c'est pareil, j'ai pris. J'ai racheté deux feuilles du coup à l'unité qui sont de la première page, que je trouvais vraiment très très belle là, avec ces branchages de feuillage des couleurs, du combo couleur de la collection, je trouvais très très beau. Voilà pour la collection Sow Garden. Ensuite on va passer à des tampons et vous allez voir que j'ai encore d'autres papiers hein, que j'ai pris, mais ça va vous faire une petite pause dans l'esprit. Donc j'ai pris la planche de tampons de chez... mes petits ciseaux, alors pour ceux et celles qui me connaissent un petit peu et qui me suivent depuis pas mal de temps, elles ont dû voir que je l'avais en fait cette planche de tampon, mais que ça n'était pas une véritable, je m'étais fait avoir sur Vinted. Donc faites attention quand vous commandez sur ce genre de site internet, que ce soit Le Bon Coin ou Vinted, puisque du coup je me suis retrouvée avec une planche qui n'était pas une planche véritable. Donc c'est rectifié puisque je viens d'acheter celle-ci et j'ai acheté également du coup la deuxième de la même collection. Donc c'était de la collection Embrun de mes petits ciseaux. Et tenez-vous bien, je les ai payés moins de 4€ la planche. Donc ça valait le coup de les prendre. Et j'ai enchaîné au vu du prix. Du coup, j'en ai acheté une autre de mes petits ciseaux toujours. Donc là, c'est la planche Happy Days. Voilà, c'est écrit là. Happy Days. Et je trouve que les textes sont vraiment très très beaux puisque vous avez croqué la vie à chaque instant, pardon. Mon bonheur à moi, c'est nos moments à nous. Happy Days, forcément. Faire d'aujourd'hui un jour incroyable et recommencer demain. Color of Life. Je trouvais que c'était très très beau. Alors, il y a, on va dire, moitié-moitié du français et de l'anglais, mais je trouve vraiment que les textes sont vraiment hyper poétiques, très optimistes et j'adore. Voilà. Donc bah là, le même prix, hein, 3,89€, je crois, la planche de tampon.
Ensuite, bah oui, j'avais envie un petit peu de soleil, même si on est en début d'hiver, on va dire. J'ai pris la collection Farniente de mes petits ciseaux. Et là, c'est pareil, j'ai dû la payer à moins 50%. Je crois que je l'ai payé 4,25€, je crois. Oui, voilà, c'est ça, 4,25€ la collection de papier. Donc, bah c'est pareil, hein, j'avais envie de vous dire, bah faut pas passer à côté. Donc je vous l'ouvre, mais je vais vous la passer assez rapidement parce que je pense que vous l'avez assez longuement vue sur les réseaux cet été. Donc vous avez une petite planche de tampon avec, et donc la collection se présente comme ceci, les cartes de Project Life. Voilà, donc pour la collection Farniente que j'ai complétée, vous me connaissez maintenant, que j'ai complétée avec une page supplémentaire, du coup celle-ci, donc c'est la page numéro 3 que je trouvais super sympa avec les petits points, et puis surtout l'arrière bleu-gris, on va dire, que je trouvais super sympa. Donc juste la feuille de papier, bah, je l'ai payée à moins 50%, elle était à 50 centimes du coup la feuille. Ensuite, on va passer à mon gros coup de cœur, du coup, la collection hiver de... Alors, Love Winter de chez Béatrice Garny. Donc, c'est la collection de l'an dernier, si je me trompe pas. Et celle-ci, je l'ai payée 3,90€, la collection de papier. Donc, bah, comme d'habitude, je l'ai complétée avec une feuille supplémentaire que j'ai payée 30 centimes, je crois. Donc ce que j'aimais beaucoup, c'était ces rayures là, très très jolies. Et en fait, bah du coup, comme j'aime bien moi utiliser les cartes de Project Life aussi dans les albums, bah du coup, j'avais pas envie d'entamer une des pages et sacrifier l'autre, donc je l'ai reprise à côté. On a aussi hein, une petite planche d'étiquette qui est fournie avec. Ça tombe bien parce que j'en ai pas racheté d'autres. Voilà pour la collection Love Winter, et j'ai enchaîné du coup, vous allez voir que en fait j'ai pris deux pages de la collection So Fall de chez Sokai aussi. Là je les ai payées 30 centimes pièce, donc ça valait pas le coup de s'en priver non plus. Et en fait bah, je trouvais que ça allait très très bien avec la collection Love Winter de chez Béatrice Garny. Et comme j'ai également la collection So Fall à la maison, bah du coup ça tombait plutôt bien. Donc vous voyez, l'arrière est comme ça, ça je trouve que c'est moins du coup avec le Love Winter, mais celui-ci il est très très beau et il ira parfaitement avec. Donc j'en ai repris deux feuilles. J'ai aussi pris la collection So Fall de chez Sokai. Elle était à 2,04€ la collection, donc elle était à moins 70%, donc vraiment voilà, fallait la prendre. Donc là, vous avez les deux petites planches d'étiquette en plus, voilà, qui sont recto verso. Voilà. Et puis, bah, je ne me suis pas arrêtée là, puisque sur So Fall, il y avait aussi la possibilité de prendre des tampons. Donc j'ai pris les tampons, celui-ci qui est trop trop mignon, le Mont Hérisson, que vous pouvez du coup mettre avec la petite couronne de fleurs, hein, comme on a vu sur la petite étiquette que je vous montre ici, voilà. Donc je le trouve trop mignon, il était à 1,49€, voilà, donc bah, j'ai sauté dessus, hein. Voilà, j'ai aussi pris le petit texte poème que je trouvais magnifique, je vous le lis parce que vraiment il est trop trop beau, c'est donc un poème sur l'automne. Donc le prix, c'était la même chose, à 1,49€. C'est l'heure exquise et matinale que rougit un soleil soudain. À travers les brumes automnales tombent les feuilles du jardin. Leur chute est lente. On peut les suivre du regard en reconnaissant le chêne à sa feuille de cuivre, l'érable à sa feuille de sang. Les dernières, les plus rouillées, tombent des branches dépouillées. Mais ce n'est pas l'hiver encore. Une blonde lumière arrose la nature et dans l'air toute rose, on croirait qu'il neige de l'or. De François Copé. Ben, j'aime beaucoup. Voilà, et puis ben, j'ai complété avec les petites planches d'étiquettes. Donc celle-ci, je crois qu'elle était à 45 centimes. Et j'ai pris aussi celle-ci qui devait être à 1€, enfin moins d'un euro, je pense. Je vous trouve tout de suite le prix. Elle était à 60 centimes. Et écoutez, c'est tout, si je peux dire tout.
Je vous invite vraiment à aller voir du coup ce qu'il y a encore comme promotion sur Ephemeria, aller faire un petit tour sur le site internet, passer un peu sur tous les onglets, faites pas comme moi et ne vous précipitez pas sur votre commande. Il y en aura, je pense, quand même, peut-être pas pour tout le monde, mais si vous dépêchez et que vous allez voir rapidement, je pense que vous pourrez faire de très bonnes affaires comme moi je les ai faites. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je fais encore un gros bisou à Ephemeria que je remercie vraiment du fond du cœur. Je vous fais un gros bisou à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.